Il faut dire que le pays ne va pas bien, d'autant plus que nous avons une bonne partie qui est en insécurité totale. Ici, je fais allusion de l'est du pays, notamment du côté Bounagana et ailleurs, et Ituri aussi. Et donc, nous disons que le pays ne va pas très bien. Nous aurions bien voulu, au regard des exploits qui sont faits au niveau des régies financières et ailleurs, que le pays puisse en bénéficier. Mais hélas, comme les ennemis ne veulent pas notre progrès, ils préfèrent, et pendant que nous sommes en train de marquer les pas, qu'ils puissent troubler la quiétude, ben nous sommes convaincus qu'avec la volonté, avec la détermination qui sont les nôtres, ici je fais allusion à la population congolaise, nous allons parvenir à sécuriser notre pays et puis à permettre à ce que le développement tant souhaité, attendu, puisse se réaliser. Monsieur Benchanal, est-ce que le peuple rwandais, le peuple congolais peuvent vivre en harmonie alors que depuis le génocide rwandais, celui de 1994, la RDC est la base arrière des groupes armés rebelles rwandais? Oui, Là, je madame. parle de FDLR. Oui, jusqu'à ces jours, le peuple congolais, connu de par son hospitalité, connu de par sa manière de vivre qui est très accueillante, le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais. Ici, nous avons affaire à un régime cannibale, un régime sanguinaire de Paul Kagame, qui est en train de vouloir étendre son hégémonie dans les Grands Lacs. Mais nous comprenons aussi que ce n'est pas lui. Ce sont des puissances multinationales, ce sont des puissances occidentales qui sont derrière le petit Kagame, parce que seul comme ça, il ne pourra rien faire. Il en tire quand même les dividendes, hein? Effectivement, effectivement. Donc, comme je disais, le peuple congolais et le peuple rwandais n'ont aucun problème entre eux. Le devoir revient maintenant au régime de Kinshasa, au régime congolais, de pouvoir faire montre aussi de la perspicacité, faire montre de la responsabilité, de pouvoir démontrer au régime Kagame que nous ne sommes pas un terrain conquis d'avance. Nous ne sommes pas un homme, comment on dit en anglais, un no man's land. Donc, une terre vide où tout le monde peut venir s'aventurer. Mais aussi, c'est un niveau de leadership au niveau de la tête de l'État. Vous savez, le malheur du Congo, c'est que les gens y arrivent à la tête sans pour autant avoir eu le temps en amont ou bien avant de pouvoir bien contrôler ou bien comprendre les différents paradigmes qu'il y a dans l'existence du Congo. On arrive au pouvoir, on n'a aucun projet sur ce qu'il y a de la lutte contre la faim, sur ce qu'il y a de la lutte contre l'insécurité, mais on veut apprendre la gestion de l'État en étant déjà au pouvoir. Devant la terre comme un cheveu dans la soupe. Voilà. C'est ça maintenant, ce qui fait que les autres amis ailleurs ont un plan bien déterminé, bien ficelé. Ils se projettent même dans les 10, 15, 20 ans. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec Kagame, c'est un projet qui a été conçu à belle lurette. Mais nous, qu'est-ce que nous on fait? Nous vivons sur le tic-tac. Donc, au taux du jour, comme on a toujours dit. On réfléchit aujourd'hui ce qu'on doit faire pour aujourd'hui. Quel est le plan de la RDC par rapport à la gestion de ses frontières dans 25 ans, dans 30 ans? Il n'y en a pas. Justement, en parlant de frontières, peut-on dire que la RDC n'aura jamais de répit, monsieur Iwaï, tant que sa zone frontalière avec le Rwanda, à savoir le Nord Kivu, va regorger de tous ces minéraux qui attirent la convoitise de son voisin? Non, la paix, il y en aura. J'ai dit ici, c'est un devoir sacré pour nous, Congolais, un devoir sacré. Donc, nous devons faire tout pour qu'il y ait la paix, parce que ces frontières n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous savez, madame, je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur qui est en train d'insinuer, dire non, des gens qui ne préparent pas, je ne sais pas ce que lui appelle préparation. Si vous demandez quel est le projet de 25 ans de la sécurité de la RDC, en termes de sécurité pour la RDC,
je ne sais pas ce qu'il insinue par rapport à cela. La vérité, en fait, c'est que je ne suis pas non plus d'accord avec lui quand il dit non, le peuple congolais n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Non, c'est facile. Vous savez, nous avons souvent, nous Congolais, on aime la rhétorique ou même la routine. Ce que d'ailleurs j'ai suivi M. Fayulu, le député national, dire un peu facilement comme ça. Non. Tout sociologue ou même tout acteur de société, ou tout, je vais dire tout spectateur, tout bon spectateur de la société, vous dira qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire qu'il y a clean. Les relations sont clean entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Non, c'est faux, c'est naïf de dire cela. Parce que ceux qui ont marché à Goma n'ont pas marché contre Kagame seulement, mais contre le Rwanda. Donc les militaires, quand vous voyez, on est en train de faire de représailles, que ce soit au Rwanda, que ce soit ici, ce n'est pas contre Tshisekedi, ce n'est pas contre Kagame. Ça signifie que le conflit a, à mon avis, dépassé ce niveau de leadership que mon ami, je crois, il est en train d'imiter Fayulu, qui dit non, écoutez, le peuple congolais aujourd'hui ne peut plus être en osmose avec le peuple rwandais au regard de souffrances, au regard de dégâts qui nous sont imposés. Ça, il faut le dire clairement, clairement. Et puis, ça ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, lorsque nous sommes allés jouer au Chan au Rwanda, vous savez ce que l'entraîneur et les joueurs ont dit? Qu'ici, nous sommes venus pour un objectif. Il s'agit du Rwanda, nous savons ce que ça signifie. Donc, le Rwanda pour nous aujourd'hui n'est pas en osmose avec nous, il faut le dire très clairement. Et ce n'est pas seulement un problème de Kagame. Il dit que non, le Rwanda a préparé, si vous voyez, le Rwanda a préparé sa sécurité il y a trop longtemps, contrairement à nous ici qui tombons comme des cheveux dans la soupe, c'est faux. Parce que lui-même, il a dit que le petit Kagame, derrière lui, il y a les multinationales. Le même qui dit que derrière le type, il y a les multinationales, il glorifie ou il chante d'avoir préparé. Non, le problème n'est pas celui-là. Ici, il y a un problème sérieux, fondamental, cher ami. Notre pays est victime de ses ressources. On parle ici de la convoitise, n'est-ce pas, externe. L'insécurité nous est imposée. C'est voulu. Peut-être que Mme Lilas, beaucoup de gens ne savent pas l'histoire de notre pays. Nous sommes un cas particulier. Si vous voyez comment d'autres nations ont été créées, ce sont les colons qui sont arrivés, ils se sont adjugés, ils se sont légués une partie des terres, ils disent nous prenons cette partie des terres pour nous. Ce qui est très différent pour nous. Lorsque vous revoyez l'histoire, vous verrez, madame, que chez nous, ce sont des fusions des empires et des royaumes. C'est pas Léopold II qui s'était. Évidemment, mais. Qui avait fait le découpage en ce moment. Non, mais le problème, c'est que. Sa propriété privée. Oui, mais voyez, oui, bien que cela, c'est propriété privée, mais vous verrez l'histoire, vous renseigne, madame, qu'il est arrivé, il a négocié avec les chefs, à l'époque, les royaumes et les empires. C'est-à-dire le royaume Congo, le Cuba, les autres. Et ils ont fait la fusion. C'est cela la différence entre nous et beaucoup de nations où les gens se sont seulement légués une partie. Et d'où même Lumumba parlait de l'unité, d'autant plus que nous, c'est la fusion des tribus, la fusion des royaumes, n'est-ce pas, qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la RDC. Ce qui est contraire avec d'autres pays où les gens se sont déchirés des parties des terres et se sont légués. Non. Le problème avec le Rwanda, c'est que. Ici, il y a une stabilité voulue, téléguidée par le multinational. Ce que moi, je devrais attendre de mon ami, c'est que dire que le Congo puisse changer les optiques dans sa diplomatie. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le Rwanda a utilisé, même aujourd'hui, a utilisé le génocide comme marchandise politique pour se faire de la pitié ou même de l'attention de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Rwanda se pointe comme un vrai commissionnaire ou comme courtier de nos ressources. Donc il faut maintenant, nous, notre lobbying doit jouer de sorte que nous puissions nous-mêmes voir ces multinationales, même s'ils savent qu'avec le Rwanda, c'était de la mafia, parce que le Rwanda, qu'est-ce qu'il avait à faire à brader nos ressources. Il peut brader à n'importe quel prix, ce qui est différent avec nous, d'où nous avons cette imposition. Mais dire qu'il y a des autorités qui ne sont pas préparées, là, si on va par exemple parler de la sécurité, vous pensez que ce serait un plateau de télévision comme ça qu'on va vous dire, voici le projet de la sécurité de l'RDC de 25 ans? Non, pas du tout. Donc essayons de pouvoir positiver les choses et de rester toujours dans la théorie, tellement un peu comme des débats facultaires où on vient juste donner des théories, tout ça. Mais soyons pragmatiques. Les Merci. États-Unis ne vous diront pas les projets de sécurité des 30 ans. Vous ne trouverez nulle part dans un document ou même sur Internet. Monsieur Ben Chana, vous avez à répondre. Je voulais dire à Monsieur Pancras, oui. Vous savez, le Rwanda est notre voisin. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Aujourd'hui, inculquer dans
la conscience de nos enfants que nous sommes des ennemis des Rwandais, c'est nous mettre dans une position de faiblesse. Parce que des gens comme les Rwandais, un petit territoire comme le Rwanda, ne peut pas être ennemi à la grande RDC. Ils doivent savoir nous respecter. Nous devons nous faire respecter devant eux. Nous allons continuer à vivre comme ça, comme voisins, tant que le monde sera encore dans cette configuration ici. Mais je répète, nous, avec le Rwandais, le peuple congolais, le peuple rwandais, moi j'étais à Goma il n'y a pas longtemps, j'ai même pas fait 2 semaines depuis que je suis rentré. Pourquoi on hésite pour fermer les frontières avec le Rwanda, la frontière terrestre? Mais c'est parce que Goma vit les Rwandais. Ils sont là, ils vivent ensemble dans la paix, dans l'harmonie, je vous dis. Le peuple rwandais qui vient à Goma travailler le matin, le soir il rentre. Nous sommes habitués à vivre, nous avons 9 voisins. Nous sommes de partout là habitués à vivre avec eux comme ça. Mais nous avons un voisin qui a un papa qui est sanguinaire, qui cherche à nous mettre mal à l'aise. Ce que nous devons faire ici chez nous, parce qu'on dit que le peuple mérite ses dirigeants. Nous devons avoir des dirigeants qui seront capables à imposer notre respect dans la sous-région. Pour que ces gens-là puissent nous respecter. Je reprends que nous ne pouvons pas être des ennemis des Rwandais. Ils sont trop minimes pour que nous soyons leurs ennemis. Comprenez? Minimes, mais ils nous donnent du fil à retordre, monsieur. C'est parce que jusque-là, nous n'avons pas un plan bien conçu pour nous faire respecter. Vous savez, le défaut de Congolais, c'est que nous ne lisons vraiment pas. Nous ne lisons vraiment pas. L'histoire ici de la sécurisation, surtout de la partie est, il y a un éminent, je pourrais l'appeler savant, c'est un acteur politique congolais, Frédéric Boyenga Bofala, qui a écrit un livre en 2011 déjà, au nom du Congo Zaïre. Si vous lisez ce livre-là, vous allez voir comment le monsieur est en train d'expliquer, de par sa vision politique, il est en train d'expliquer comment mettre un terme et se faire respecter dans la région des Grands Lacs. Vous comprenez? Nous avons de la diplomatie que nous sommes en train de faire. Je salue les efforts que mène le ministre des Affaires étrangères. Lutundula. Penapala. J'ai salué le courage du ministre des Transports, Chérubin Okende, lors de la réunion des ministres des Transports de l'Union africaine. C'est du point de vue de la diplomatie qu'on est en train de frapper comme ça. Mais maintenant, commencez à réfléchir. C'est que moi, je suis en train de nous demander. C'est maintenant là que nous commencions déjà à réfléchir sur la ligne directrice que le Congo doit adopter pour que, pendant un bon moment, pendant 50 ans, pendant 100 ans, que nous fassions respecter par le Rwanda, par les Rwandais. Mais vivre avec eux, nous sommes obligés, tant que le monde a encore cette configuration ici, nous sommes obligés à ce que le peuple congolais soit en osmose avec le Rwandais, parce que nous aurons toujours des choses à faire ensemble et à collaborer. Là, nous ne devons pas flouer ça dans notre esprit. Donc, pour chuter, vous dites que le pays est victime de ses propres richesses. Moi, je pensais que nous devons changer cette rhétorique-là. Nous devons commencer à dire que le pays est victime de nos cerveaux. Parce que la richesse, elle est naturelle. Dieu, peut-être en plaçant ces tas de richesses sur notre sol et notre sous-sol, pensait avoir bien modelé nos cerveaux pour bien assurer cela, et bien assumer cette charge-là. Malheureusement. Donc, le Congo aujourd'hui est victime des cerveaux de ces élites qui, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont de la distraction comme priorité. Sans pour autant, comme je l'avais dit au début, en allant chercher le pouvoir, on n'a pas un background bien formé pour venir assumer ce à quoi on est en train d'aspirer. Donc, aujourd'hui, le Congo est victime des cerveaux, de ses cerveaux actuels. Maintenant, quitte à la génération qui arrive,
à votre génération, à notre génération, de pouvoir changer un peu les paradigmes des choses. Oui, moi je pense que quand vous dites que les gens n'ont pas de projet, les projets ça existe, le projet de lutte contre la pauvreté, on l'a entendu tous, le problème c'est la mise en pratique de tous ces projets-là, je pense que c'est là où ça coince. Madame, il y a un grand fossé entre les intentions, la théorie et la pratique. Les intentions. En fait, ça veut dire quoi? La théorie. Ça veut dire que c'est juste les chapelets des bonnes intentions. Ce ne sont que des appâts, vous voyez? Parce que je vous dis que quelqu'un qui est suffisamment préparé, même avant qu'il n'atteigne le pouvoir, dans sa vie pratique déjà, à son niveau, parce que Gandhi a dit que le changement que vous voulez doit être ce que vous vivez. Donc, si vous voulez voir un acteur politique qui vous dit que moi j'ai fait la lutte contre la pauvreté, mon cheval de bataille, vous devez le voir déjà, avant qu'il n'atteigne le pouvoir, ce qu'il est en train déjà de mener comme vie. Si ça peut lutter contre la pauvreté. Merci. Les héros de l'époque, monsieur Pancras, se souviennent plus particulièrement, on va dire, du successeur de Kagame, Juvenal Habyarimana, comme un homme de paix, qui entretenait même une amitié avec le maréchal Mobutu. Alors, on essaie de comprendre un peu la nature des relations qui étaient au beau fixe, qui maintenant ont dégradé. Alors, on se demande si c'est Kagame qui est particulièrement belliqueux ou ses commanditaires, à savoir les pilleurs, les vrais pilleurs, parce que tous deux sur ce plateau, vous êtes d'accord que Kagame n'est qu'un sous-fifre, n'est qu'un commissionnaire, n'est qu'un coursier. Alors, est-ce que c'est lui qui est belliqueux, qui a pris, on va dire, qui a maintenant cette envie-là de vraiment piller la RDC, ou il ne reste que dans ce rôle-là de coursier? Merci madame, c'est une grande question, mais permettez que je réagisse d'abord à ce que mon frère a dit, mon débatteur d'en face. Vous savez, dans ce que vous dites, il y a de bonnes choses, ça c'est sûr, mais il y a un peu de contradiction, voudrais-je dire. Vous avez dit au début qu'il n'y a pas de projet, mais madame vous a montré qu'il y a des projets. Après, vous dites non, ce sont des projets qui restent dans les intentions, des appâts, c'est juste. Mais alors qu'un projet, c'est quelque chose dont la réalisation est mise au futur. Donc dire qu'un projet, c'est des bonnes intentions, les projets sont toujours projetés, donc sont toujours dans l'avenir. On ne peut pas vouloir qu'un projet ne soit pas, à mon avis, projeté. On doit projeter tout le temps. La réalisation n'est pas nécessairement le plus important. Dans l'élaboration des projets, oui, c'est le plus important, c'est qu'il faut d'abord projeter, il faut avoir de l'ambition. Parce que moi, je peux faire un projet, je ne le réalise pas, mais vous qui venez après moi, vous le réalisez. Et puis, pour revenir à ce que vous venez de dire ici, vous avez dit que nous devons faire des mécanismes qui permettent à ce que la sécurité de nos frontières soit notre leitmotiv. Non, mais attendez, ici, il y a des choses. Parce que vous n'allez pas sécuriser votre pays dans une situation de précarité comme celle de notre. Avec le budget qu'on avait des 3 milliards, 4 milliards, on ne peut pas prétendre arriver à cela. Parce que pour avoir une sécurité, les États-Unis sont la grande puissance au monde. Ils ont la plus forte armée parce qu'ils ont une forte économie. Aujourd'hui, on va vous parler de la Chine, la Russie, c'est l'économie. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il y a des efforts qui sont fournis au niveau du pays pour permettre à ce que nous ayons une économie forte afin de répondre à tous ces problèmes, tous ces défis. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui vouloir la sécurité et ou négliger le côté secteur financier ou économique qui permettrait justement à ce que tous ces problèmes trouvent des réponses. Par rapport à votre question, madame, ici, il faut dire que M. Kagame, je reviens, comme je dis tout le temps ici, que mon frère dit, je n'ai pas dit ici que nous sommes censés vivre à conflit ou même à l'ennemi avec le Rwandais, non. Mais je reconnais, je veux que nous puissions pas être naïfs pour dire aujourd'hui, là, le peuple rwandais et le peuple congolais ne vivent pas en osmose. Vous avez parlé de Goma, nous y allons. Moi, j'étais à Kigali deux, trois fois. Donc je connais ce que c'est, je connais Gisseni, je le par tête. Dire qu'aujourd'hui nous vivons en paix avec le Rwanda, c'est faux et archi faux. Vous demanderez, d'ailleurs les gens de Goma, ils sont d'ailleurs plus allergiques que nous qui sommes nous qui noirs. Et lorsque vous causez avec le Rwanda, ils vous diront ça, que vous au moins vous nous supportez contrairement aux gens de Goma. Peut-être que vous n'avez pas eu vraiment le temps de pouvoir vérifier. Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, ce que nous impose le régime Kagame, nous ne sommes plus en paix. Vous savez, un joueur de football, Vita Club est venu jouer ici sous Guira. Il n'a pas pu. Il souffrait tout le temps quand il était le footballeur ici. Peut-être que vous ne vous intéressez pas au football. Un joueur, il n'a pas pu, il est parti. Vous voyez? Et
lorsque vous, vous suivez son, son documentaire, il vous dit qu'il était, à tout moment, il avait toujours peur de à tout moment, mais ses coéquipiers disaient, ben voilà comment nous vous regardons. C'est une parenthèse que je ferme tout de suite là. Ici, Abiyarimana avait ce que lui a dit, c'est qu'il comprenait que nous sommes obligés de vivre ensemble. La, la nature a voulu que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi soient nos frères à côté. Il y a des gens qui se sont plaints ici, non mais le frère est ici. Il dit, voilà, mais ce sont en Afrique que nous sommes des frères. Parce que lorsque vous vous interrogez l'histoire, on vous dira que nous sommes partis, nous tous du Sahara, et on s'est divisés. Ce sont nos frères. Mais Abiyarimana avait ça. Il comprenait que le, vouloir faire insécuriser les voisins, et l'insécurité que vous relevez ou pas, sera chez vous. Aujourd'hui, même quand il a, il, lui, Kagame, essaie de se justifier, mais il y a une base de rebelles. On s'en traduise entre nous, nous disons M23 est chez lui, et ils disent FDLR sont chez nous. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, il n'a pas permis, n'est-ce pas, à pouvoir à mettre le Rwanda en paix lui-même. Il est, même s'il semble être arrogant, le plus calme, mais il est toujours en insécurité. Peut-être que nous avons un peu plus de bonne volonté, parce que si nous nous comportions comme les FDLR ne sévissent pas dans, dans, au Rwanda. Évidemment, comme évidemment, parce que nous n'avons pas le temps d'armer ces rebelles-là contre le Rwanda. Nous sommes restés dans cette optique-là de dire, nous sommes africains, ces frontières nous ont imposées par la nature, qu'on les veuille ou pas, nous n'avons pas besoin de voir la carte du Rwanda disparaître sur le globe terrestre. Donc, Abiyarimana avait cette conception-là. Il comprenait ce que c'est l'Afrique, contrairement à M. Kagame, qui était un bandit, qui était un rebelle. Mais c'est un bandit. C'est lui ou c'est son... il est dans, en plein dans son rôle de coursier. Parce que quelquefois, on dit que c'est lui le sanguinaire, mais quelquefois, vous le dédouanez vous-même par vos paroles en disant qu'il est, employé par les mais, non, la communauté. Mais quand vous êtes employé pour faire de sales besoins... On peut faire le distinguo. Madame, quand vous êtes employé pour faire de sales besoins, vous êtes qui? Oui, vous l'êtes, mais est-ce que vous prêtez, c'est votre rôle à vous ou on vous l'a donné? C'est ça ma question. Non, il a été... Parce qu'on voudrait comprendre ici si c'est Kagame qui nous agresse ou il nous agresse par procuration. Il nous agresse par procuration, ça c'est sûr. Mais le problème c'est que le fait pour lui de jouer ce jeu-là, il a une grande responsabilité dans l'histoire. Parce que vous savez quoi, en étant tout le temps avec les sorciers, mais vous deviendrez sorcier vous. Et s'il est, il est commissionnaire de sales besoins, en déstabilisant la RDC, si monsieur, parce que lui a cité beaucoup d'auteurs ici, Franck Fanon disait que l'Afrique avait la forme de revers dont la gâchette est cachée en RDC. C'est-à-dire que si nous, l'Afrique a un problème, parce qu'évidemment notre pays ne marchait pas. Et donc M. Kagame est en train, n'est-ce pas, de participer au frein du développement de l'Afrique. Parce qu'il est en train de déstabiliser la RDC, qui est la gâchette de l'Afrique. Et donc, en réalité, comme disait un Africain sur une chaîne internationale pour dire « Monsieur Kagame devrait répondre, si ce n'est pas au tribunal judiciaire, même au tribunal de l'histoire, il en répondra. » Il déstabilise l'Afrique, il réquille l'Afrique, il joue un mauvais, un sale jeu et il est criminel. C'est tout simplement ça. Donc, le fait qu'il il s'est fait courtier des oppresseurs, des gens qui ne veulent pas voir l'Afrique émerger, eh bien, il est dans la même boîte que ces gens-là. Donc, son prédécesseur, je ne veux pas ici parler de tribus, d'ethnie, tout ça, parce que ça risque de donner une autre connotation. Mais on comprend quand même que, et voilà, les génocides des Rwandais peuvent maintenant avoir un sens au regard du comportement de M. Kagame. Alors, M. Chanel, aujourd'hui, plus qu'avant, un conflit divise nos peuples, on va dire congolais, le peuple rwandais. Il faut le dire, le conflit, il est entre États ou entre peuples. À l'allure où vont les choses maintenant. Madame, je réponds encore pour dire que, chers frères, chères sœurs, partout où vous vous retrouvez, le peuple congolais n'a aucun problème avec le peuple rwandais. Les images qui circulent ici où on voit des gens avec des machettes en train de chercher des Rwandais dans des hôtels, ainsi de suite, ça n'a pas de raison d'être. Nous n'avons pas des problèmes avec les peuples rwandais. S'ils ont choisi le Congo, si un Rwandais choisit le Congo comme sa seconde patrie, tant qu'il n'y exerce pas des activités visant à nuire notre pays, visant à nuire notre stabilité, notre sécurité, il est le bienvenu chez nous. On n'a pas de problème avec les Rwandais en tant que peuple. Nous avons un problème sérieux
avec le régime de Kigali, le régime de Kagame, lequel régime est en train aussi d'opprimer aussi même le peuple rwandais. C'est un régime dictatorial qui est en train d'opprimer même le peuple rwandais. On ne peut pas parler au Rwanda, avoir des avis contraires à Kagame. Et ils sont vraiment dans la coupe de la dictature de Kagame. Ce que nous, maintenant, en tant que Congo, je tire chapeau par rapport à votre citation de Franz Fanon, quand il dit que l'Afrique a la forme d'un revolver. La gâchette, c'est le Congo. Ce n'est pas le Congo en tant que Congo avec sa forme géographique. Non, c'est le Congo de par son peuple, de par ses élites, de par ses responsables politiques surtout. Quand nous avons des politiques, nous avons des responsables politiques qui ne savent pas la priorité entre prendre une ligne budgétaire consistante pour affecter dans tout ce qu'il y a pour la sécurité, mais on est en train de faire des excès, des excédents budgétaires à la présidence, à la primature, ainsi de suite. On ne comprend pas où se trouve la priorité. On se dit qu'il y a un problème. Ayant hérité le pays que Kabila a laissé, parce que tout ceci ici, d'ailleurs j'en profite pour contredire tous les amis qui disent qu'ils sont prêts à demander pardon à Kabila avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit ça, c'est vraiment être naïf et être irresponsable à un degré qu'on ne peut pas imaginer. Parce que tout ce que nous sommes en train de subir maintenant, nous les décrions à l'époque. Parce que c'était un plan bien composé par le régime Kabila. Nous sommes en train de subir les affres du régime Kabila. Félix Tshisekedi a hérité ce genre de pays détricoté par le régime Kabila, par Kabila lui-même, avec ses sous-fifres, ses smires qui l'accompagnaient, des Congolais, devait, Félix Tshisekedi, devait donner d'abord plus de priorité à la sécurisation du peuple, à la sécurisation du territoire national. Ce n'est qu'au travers de ça que les investisseurs allaient venir, que nous allons commencer maintenant l'élan de développement et de reconstruction du pays. Mais quand vous avez des gens qui arrivent devant les investisseurs aux États-Unis et leur disent que non, bon, la guerre c'est à 2000 km, c'est très loin, on suit ça à la télé, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent être désillusionnés, ces gens-là. Mais M. Chanel, aujourd'hui, les gens de Kabila que vous citez disent que ils ne sont pour rien, que c'est l'UDP qui a acclamé Kagame au stade des martyrs. Ils l'ont ovationné en disant « Yona Nyobo à Kagame ». Eux, ils avaient déjà rompu ce mariage-là. Vous savez, j'ai rejoint Pancras quand il dit que nous sommes Africains, nous nous appelons des frères. Vous comprenez? Mais la naïveté de l'UDP, c'était de penser que c'était avec des flatteries. C'est ici au Congo où on est habitué aux flatteries. Les gens comme les Kagame, là, ils n'ont rien à envier de la flatterie. Parce que tout ce que vous allez lui dire, ils savent que vous avez un conseil. Il a un plan. Et la naïveté de l'UDP, c'était de croire qu'il suffisait de flatter Kagame, ainsi de suite, il allait laisser tomber son plan. Non. Nous aussi, nous devons avoir un plan de déstabiliser le régime de Kagame. Aller jusque même à le faire partir de là. Imposer même quelqu'un qui peut être de notre obédience. Oh là là. Je vous dis. Non mais en fait, quand on dit gâchette de l'Afrique là, c'est quoi? Quand on dit qu'on est la puissance de la sous-région, c'est quoi? C'est dans tout ça. Nous devons, si nous avons un régime responsable ici, si nous avons un régime responsable ici au Congo, nous pouvons aller déloger Kagame là où il est, nous prenons son opposant, nous le mettons là-bas. Ça devait être même notre leitmotiv, ça devait être notre cheval de bataille. Ça me rappelle le départ du président Laurent Désiré Kabila, un deal avec un pays que je n'ai pas envie de citer ici. Et bon, bref, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Vous n'avez rien compris non plus. La population rwandaise, congolaise plutôt, de Goma, Bukavu et Kinshasa ont manifesté pour démontrer à la communauté rwandaise qu'elle n'est plus la bienvenue ici en RDC. Vous avez vu les images, elles défilent devant nous. Alors,
Est-ce qu'on peut dire que nos compatriotes congolais sont aussi inquiétés comme sont les leurs ici, là-bas à Kigali? Ah ben oui, ben de toute façon, quand vous êtes à l'étranger, que vous avez nous avons eu la petite chance d'être ailleurs, on voyait quand notre pays avait des problèmes avec les autres, il y a toujours, même si on ne vous attaque pas de manière physique, mais psychologiquement, ça vous entame quand même, ça entame votre psychologie. Ici, mais avec les relations maintenant, parce qu'il faut dire qu'on a des relations de sang aussi, il y a des mariages qui se sont faits. Évidemment, évidemment. Comment, c'est ça que nous avons. Comment gérer tout ça? Évidemment, madame, vous savez, j'aime bien lorsque vous posez des questions. Ici, vous avez vu, contrairement à ce que mon co-débatteur a dit, j'avais dit ici qu'aujourd'hui, nos relations ne sont plus bonnes, le peuple congolais, le peuple rwandais, parce que nous nous disons que le peuple rwandais est en train de participer avec son régime pour nous déstabiliser. Parce que ceux qui viennent, les militaires qui viennent, par exemple, au front, ce n'est pas Kagame lui-même, ce sont ceux que nous considérons comme des frères. Parce que nous disons que ce sont nos frères, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en bonne relation avec nos frères. Ça arrive même en famille, qu'il y ait des frères qui ne s'attendent pas, qui ne se parlent pas pour tel problème ou tel autre problème. Je voudrais dire à mon frère ici, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui sont prises pour que notre situation soit sécurisée? Madame Lilas, vous allez vous rappeler plutôt que sur ce plateau ici, nous avons souffert à son temps parler à l'époque d'état de siège. Aujourd'hui, personne n'en parle. Personne. Personne. Si nous étions honnêtes, certains devraient revenir ici pour vous dire, madame, nous excusons parce que... Non, mais plusieurs disent que ça n'a servi à rien, des milliers de dollars jetés par la fenêtre aujourd'hui. C'est le statu quo. Enfin, plusieurs le disent. Hein, mais parce que justement, l'ami a dit ici que beaucoup de gens ne lisent pas. Quand vous posez la question aujourd'hui, c'est qui étant hier en train de vanter le Rwanda, tout ça. Voilà les progrès qui sont faits au Rwanda. Vous savez que le Rwanda, depuis 10 ans, pour la première fois, a revu son budget à la baisse. Mais évidemment, l'état de siège fait très mal au régime de Kigali. L'état de siège fait très mal. Il faut lire les institutions internationales financières, ils vont vous dire. On va vous parler de même l'Ouganda, qui a vendu entre les 2019 et 2020, lors on vous parle de 3 milliards quelque chose. Mais pour 2021 seulement, et 2022, ça a chuté à 500 millions. Ça dit quelque chose. Donc, aujourd'hui, ceux qui voyaient l'état de siège seulement comme sécurité n'ont pas compris le sens. Et personne n'en parle aujourd'hui. Nous avons même dit à cette époque-là que ça ne va pas être comme par baguette magique où on envoie aujourd'hui l'état de siège et tout s'est fait. Non, il y a des gens qui étaient à très mal posture à cause de cet état de siège. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, d'ailleurs personne n'en parle. Ça signifie qu'il y a des solutions, il y a des solutions qui sont en train d'être mises en place. Mais le problème, c'est que la guerre, lorsqu'elle commence, on la connaît, mais lorsqu'elle finit, on ne la connaît pas. D'où la paix est la chose la plus importante. Et surtout les effets collatéraux. Tout à fait, madame. La Russie en allant contre l'Ukraine, Poutine pensait que ça pouvait être quelque chose de 3 jours, 4, 5 jours. Ben aujourd'hui, il se raconte. Tout le monde, les experts sont en train de croire que cette guerre risque de faire 3 à 4 ans en Ukraine, même 5 ans. Vous voyez? Donc la paix, c'est la chose la plus importante. Donc par rapport à votre question, c'est que les populations, et je suis en train d'affirmer ici, que les Rwandais ne sont pas nos ennemis, ça c'est sûr, mais aujourd'hui là, nous ne sommes pas en osmose avec les Rwandais. Pas du tout. Mais communautés... nous, notre manière à nous de manifester contre eux, c'est parce qu'on veut peut-être pas montrer cette vidéo où il y a des visages très visibles de certains membres de partis politiques. Au régime qui circule avec des armes blanches pour déclarer la guerre au Rwandais. Est-ce que moi je ne peux pas ici encourager son comportement? Oui, justement. Là. On ne peut pas, nous ne pouvons, nous sommes déjà civilisés. Ouais. Mais nous disons ceci. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'entre nous, le Rwanda, en réalité, qui gagne de cette relation en réalité? C'est le Rwanda. Mon frère a dit, si le Rwanda c'est un petit pays, mon territoire de l'homme est plus grand que le Rwanda. Mais le Rwanda a intérêt, n'est-ce pas, à être en paix avec nous, même si il a choisi une mauvaise pratique, c'est de stabiliser l'est du pays afin de tirer gain. Mais nous disons ceci. D'abord, il faut dire que la masse est incontrôlée. La masse est incontrôlée. Quand les gens reviennent pour dire on a acclamé tout ça, Kagame au stade de martyr, mais ça c'est de la masse. Ça c'est la masse. Mais Kabila ici, on les chante et de temps à autre, on nous montre des images sur Django. Ça n'osera pas. Mais alors, ça signifie quoi? Ça, c'est la masse.
Et ça, c'est la masse. La masse est incontrôlée. Et si vous êtes chrétien comme moi, vous allez vous rendre compte que même dans la Bible, lors de la marche des fils d'Israël, à un certain moment, ils ont demandé à Moïse, il fallait nous laisser en Égypte, parce que là, au moins, nous étions assis, mais ils ignoraient qu'ils allaient vers la terre promise. Vous voyez? Donc, moi, je vais dire ici que le problème avec Kagame, il va rester comme ça. Je suis d'accord avec lui que nous devons arriver à un moment où on va commencer à changer ses régimes au niveau des sous-régions. C'est possible. Mobutu le faisait d'ailleurs. Mobutu le faisait. Et le régime de Kabila, je n'aime pas revenu parce que pour nous, ça ne nous permet pas d'avancer. C'est que, mais ces Kabila, les deux Kabila, ont permis au Rwanda d'avoir cette ascendance-là, au Uganda, au Burundi. Et c'est comme ça que vous voyez l'orgueil de Kagame. L'orgueil de Kagame, c'est parce qu'il savait qu'il y avait un certain James Kabarebe qui était chef d'état-major à Kinshasa et au Rwanda. C'est une fois dans l'histoire de ce pays. Mais curieusement, ce sont ces gens-là qui passent sur vos plateaux et même ouvrir la bouche pour parler, de critiquer même la gestion, alors que vous connaissez unique au monde où vous trouvez un chef d'état-major en RDC et au Rwanda. Un agent double, mais double vu de tout le monde. Quoi. Et vous trouverez ici, on vous dit tel ministre des Affaires étrangères était rwandais. C'est lui qui avait la diplomatie de notre pays. Et comment est-ce qu'ils vendaient notre pays à l'extérieur? Donc, ce sont des problèmes qui sont fondamentaux. Pour les finir, ce n'est pas par baguette magique. Je crois aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est quand même une grande avancée. Pour la première fois, depuis que nous sommes ici, on apprend que le Rwanda puisse quand même se dire, non, écoutez, il y a des bombes qui sont tombées par l'RDC. Et pourtant, c'est nous qui subissons tous les jours. Dire à M. Kagame que la paix, c'est la chose la plus importante. Ce qu'il est en train de créer, il sera incapable, n'est-ce pas, d'en finir. Parce que si cette histoire-là entame le niveau de la population, des communautés, on risque d'assister à des choses qui sont très graves, lesquelles nous ne souhaitons pas. Aujourd'hui, l'Afrique devrait être fixée, devrait projeter l'avenir de ses fils et filles, parce que nous avons une génération assez, une jeunesse assez forte et très puissante. Je crois que les dirigeants africains doivent regarder d'un seul côté celui du développement, au lieu de voir nos frères mourir dans la Méditerranée tous les jours en train de chercher la vie. Et par rapport à ce que mon ami a dit, mon frère, ce ne sont pas les politiques qui développent le monde. Lisez l'histoire du monde, ce sont les scientifiques, ce sont les intellectuels, donc vous et moi. Donc quand vous dites les politiques, non, les politiques ne développent pas le monde. Vous devez créer des conditions scientifiques, ici je parle ici de théorie, vous devez créer comme scientifique pour qu'ils puissent prendre et mettre en action. Vous verrez dans tout le monde, lorsqu'on parle par exemple de la monnaie, on vous parle de Friedman, ce n'était pas un politique. C'est lui qui a sorti la théorie de la monnaie. La théorie par exemple des échanges ou de l'économie. Vous allez trouver les Max Weber qui ont parlé de l'administration. Ailleurs, Fayol, tout ça, la gestion, ce ne sont pas des politiques. C'est vous et moi, scientifiques, qui devons mettre, n'est-ce pas, nos outils scientifiques auprès des politiques qui, ils doivent mettre en musique. Donc, demander aux politiques de développer la nation, ça n'existe pas comme ça. Bah, vous avez cité ici un ouvrage que moi, je n'ai pas encore lu, celui de Congo Zaïre, je crois, c'est ça. Le nom du Congo Zaïre. Congo Zaïre. C'est un scientifique qui écrit. Et lorsqu'un scientifique écrit comme ça, il met à la disposition, n'est-ce pas, des politiques pour qu'eux, ils exécutent. Donc, vous faites ici, vous êtes en train de fuir votre rôle, celui de pouvoir proposer une recette scientifique, n'est-ce pas, aux politiques, pour que ceci puisse mettre. Les scientifiques, ce sont eux qui dirigent le monde, ce sont eux qui développent le monde, ce sont eux qui conçoivent le monde, n'est-ce pas? Donc, n'inversons pas le rôle, que chacun de nous fasse le travail, parce qu'on n'est pas politique. On n'est pas politique. On a comme impression qu'il y a une classe de gens nés pour être politique. Non, nous tous, nous avons le rôle, et surtout nous, l'élite. Il ne faut pas confier aux politiques. Non, pas du tout. Merci. Il ne faut pas confier. Parce que le politique a un rôle. Celui d'avoir le pouvoir, les conserver. Les conserver, c'est tout. Voyez-vous. Et puis, les et manières. Aussi de tout, et puis, pas oublier, si, par exemple, il s'appuie comment il s'appelle le nom va venir, Machiavel. Vous connaissez comment lui parle du pouvoir. Donc, c'est comme scientifique. Donc, quand on parle de politique, on va citer Machiavel, on va citer Platon. Ce sont des scientifiques. Ce ne sont pas des politiques. On ne va pas vous dire, non, un ancien président de tel et tel qui avait ça. Non, ils ont utilisé ce que les scientifiques ont fait. Donc, le rôle que nous devons faire comme élite, c'est proposer, n'est-ce pas, une recette pour que, en écrivant par exemple la sécurité comme notre frère, il les met à la disposition des politiques à travers les conférences, à travers des séminaires, des plateaux comme nous faisons ici, afin que ces politiques-là puissent
apprendre. Ce n'est pas à eux que doit venir le développement. Monsieur Benchanal, je crois que tous les deux, vous avez décrié sur ce plateau le fait que le Congolais ne lit pas. Et le Congolais... Non, c'est de manière générale. Actuellement, lorsque vous voyez les statistiques, on vous dira que le monde entier a reculé sérieusement en termes de lecture. En termes de lecture, on est plus dans les smartphones et dans tout ce qui va avec. Le génocide rwandais, monsieur... Pancrace l'a dit, je crois, à l'entame de cette émission, c'est le Rwanda s'en est servi pour se victimiser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose quand même, cette pitié-là envers ce peuple rwandais qui a trop souffert, les déplacés et tout ça. Et c'est ce qui a fait que le Rwanda a attiré la sympathie de la communauté internationale. Mais n'est-ce pas ce que nous sommes en train de servir, nous, Congolais, aujourd'hui sur le plateau au Rwandais, en ayant des agissements comme cette xénophobie qui est en train de se développer en ce moment dans notre pays? Oui, madame, vous avez raison. Mais avant de répondre à ça, je veux essayer un peu d'éclaircir deux, trois choses que M. Pancrace a dit. D'abord, il y a la mission régalienne de l'État qui consiste à sécuriser la population. Et quand on dit l'État, on parle des acteurs étatiques. Ce n'est pas l'État, comme on le dit dans la rue, que ce soit l'État. Non. C'est ces politiques-là, en tant qu'acteurs, qui travaillent pour accomplir la mission régalienne de l'État. Ça veut dire que même ce scientifique-là est d'abord géré par l'État, par l'acteur politique, d'abord. Je prends l'exemple du Congo, de la RDC. Vous savez, de la ligne budgétaire, combien de pourcents est réservé à la recherche scientifique? Dans un pays comme ça, vous voulez que les gens recherchent quoi? Vous comprenez? Deuxièmement, quand vous dites que si un acteur politique s'appuie sur Machiavel, non, le prince, le livre de Machiavel, le prince, c'est pas seulement la partie péjorative qu'on exhibe souvent. Le prince, c'est aussi une deuxième partie où il dit quand il dit que tous les moyens sont bons pour atteindre le pouvoir et les conserver, il ne se limite pas là. Atteindre le pouvoir, les conserver, pour qu'après, qu'on accomplisse la mission régalienne de l'État. Qu'on puisse faire ce pourquoi on a cherché à avoir ce pouvoir-là. Mais maintenant, revenons maintenant à l'RDC. Vous parlez de l'état de siège. Les députés de la commission défense ont fait des révélations. Moi, personnellement, j'étais pour l'état de siège. Mais je disais, d'ailleurs sur le plateau de madame ici, je disais, connaissant l'acteur politique congolais actuel, les moyens qui seront mis à la disposition de l'état de siège n'arriveront pas là-bas. Aussi, ça m'a le Nyangoya, on a envie de dire. Je disais ça. Et aujourd'hui, les députés de la commission défense m'ont donné raison. 62% de ces derniers n'ont pas. 68%. Ce n'est que 32% n'est qu'il n'ait commis l'état de siège. Et puis, dans les 32% là, 12% il paraît. C'était pour en finir avec les retards des salaires, de ceci, de cela. Et à la fin, ce n'était que 20%. Comment? Ces gens-là se sont débrouillés avec. C'est là que nous interpellons l'acteur politique. Nous devons savoir les priorités. Dans un pays avec cette attitude ici, la priorité, c'est de construire une belle villa. Est-ce que c'est aller au fond de la culture à la Yolo, la Capella, ou bien c'est sécuriser vos autres frères et sœurs qui sont à la merci de l'ennemi? Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'acteur politique n'arrive pas à accomplir sa mission, la mission régalienne qui est dévolue à l'État, il use maintenant de la manipulation. Il vient manipuler la masse, comme vous l'avez dit, que la masse n'a pas de conscience, la foule n'a pas d'âme. L'acteur politique vient maintenant manipuler la masse et c'est la masse qui prend maintenant les armes blanches pour dire bon, tout le monde va aller aussi derrière la bande. Et l'acteur politique va exhiber ça maintenant pour vous montrer maintenant à la face du monde, vous voyez la population est... Alors que nous, on ne veut pas que cela arrive. Ça, c'est pour chuter maintenant la question de Gaga. On ne veut pas que cela arrive parce que depuis 1994, Kagame est partout où il part, il ne vend que de la victimisation. Imaginez-vous, nous avons 9 pays voisins.
pays on a des problèmes depuis des décennies car pays mort. Mais la nuit soir, il y a la raison. Il y a la marine, une bosse à ma vie. Et maintenant, comme nous n'avons pas, le rôle d'un leader, c'est quoi? Le rôle d'un leader, c'est de donner des directives à cette masse qui n'a pas de conscience. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, maintenant, pour faire comprendre à la population que nous ne sommes pas en conflit avec le Rwandais en tant que peuple, en tant que population. Nous ne sommes pas en conflit avec le Rwandais. Nous sommes en conflit avec le régime de Kagame. Et maintenant, il faut que le chef de l'État puisse réunir toute la classe politique, tous les acteurs politiques, internes et externes. Parce que, rassurez-vous, nous avons des tops aussi à l'interne ici. Nous avons des gens qui vendent la mèche aux ennemis. Nous avons des gens qui sont parrainés par l'armée elle-même, déjà, qui est très importante. Nous avons des acteurs politiques, nous avons des militaires qui sont parrainés par le Rwanda, par Kagame. Nous avons des acteurs politiques dans ces pays ici, dans le gouvernement, qui font un rapport à Kagame chaque soir de ce qui se passe. Mais non, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chef de l'État doit réunir la classe politique. Tous les acteurs politiques, même ceux qui sont dans la diaspora. Tous les acteurs politiques, de l'opposition comme de la mouvance, sauf Kabila. Kabila T. Pourquoi? Parce que c'est lui le problème. C'est lui le problème. Il y a des ramifications avec le Rwandais. Et il a des rapports qui sont au Rwandais. Pas lui. On réunit les dignes fils du Congo. On réunit ceux qui ont réfléchi pour étudier, comme vous l'avez dit, les scientifiques qui ont réfléchi pour étudier sur la sécurité du pays. Je cite par exemple le président Frédéric Boyenga Bofala et tant d'autres, les Vital Kamerhe qui ont une vue très bien, une vue magistrale de la sécurité de la partie Est, tous ces gens qui mettent à contribution leur rapport, leur réflexion. Et que le chef de l'État en tant que commandant suprême ait maintenant une ligne à donner et aux forces armées et à la police, au service d'intelligence et à nos peuples. Parce que jusque-là, entre nous, tu as dit, M. Dédé n'a donné encore aucun mot d'ordre à la population. Bah si, hein, lors du conseil de défense, il a chargé le ministre Mouyaya qui a, je pense... À la maison, quand on est agressé, il faut simplement que papa lui-même sorte. On peut dire aux enfants que bon, maintenant on va se comporter comme ceci. Et non, dit toujours au grand frère qui est là, que c'est vraiment bon. Non. À ce moment, quand lui sort, il galvanise. On sent qu'il est avec nous. Vous savez la chanson qui passe en boucle ces derniers temps, où on chante en l'honneur de Fati. Mais ça, c'est mon nom qui tombe et d'Akadami. Mais ça, c'est le signe de voir, pour la école. Des choses comme ça, quand le signe de l'État sort aussi lui-même, il parle à sa population, ça galvanise. Mais maintenant, il doit comprendre que dans tout ce qui sera fait, comme rencontre, comme échange, pour avoir une ligne à suivre, contre le régime Kagame, notre objectif, c'est si Kagame n'arrive pas à comprendre, dans un délai très bref, on le fait sauter de là. Eh oui, j'aimerais pas imaginer la manière dont on va le faire sauter. Hein. Okay. Quel est le meilleur moyen? Parce que nous sommes encore dans ce processus-là de Yarato Yokana, Olingi Nini, Yarato Solula. Quel est aujourd'hui le meilleur moyen pour vous, M. Pancras, de faire entendre raison à Kagame? Oui, ben, nous sommes décidés de voir que M. Kagame n'entend que la voix des armes. Ça, c'est l'impression qu'il donne, ce qui est très triste, parce qu'il avait des prétextes. Au début, avec Kabila, ils étaient d'obsession, c'est Kagame et Museveni qui ont fabriqué des Kabila. Après un certain moment, ils ne s'attendaient pas, parce que vous savez, lorsque vous êtes dans la mafia, vous finissez toujours par vous séparer. Et à un certain moment, ça n'allait plus. Après, c'était ça le prétexte. Quand Félix arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon cher, trouvons la paix. Nous sommes censés vivre ensemble, privilégions la paix. Ça va permettre à nos communautés respectives, qui sont d'ailleurs un peuple. Vous avez dit ici, il y a des Rwandais qui sont à Goma, les Congolais qui sont à chose. Moi, j'étais surpris une fois à la frontière. On m'a dit, non, viens manger dans le restaurant qui est votre restaurant. Quand je vais là-bas, je trouvais une dame kasaïenne.
Et puis j'étais suffisamment surpris de voir qu'il y a une Kassayenne là-bas avec un grand restaurant, tout ça. Donc, pour dire que nous, M. Kagame n'écoute que la voix des armes, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais nous, comme le président l'a dit, la paix, si, il faut une paix totale. Si c'est la guerre, alors une guerre totale. C'est tout simplement ça, je crois. C'est telle est Vous, présentement, ce moment, devra-t-on passer à la vitesse supérieure ou bien être toujours... Mais le déploiement de nos forces armées à l'est du pays sont, je crois, l'une des réponses à votre majesté's question. Donc, nous disons ici, s'il veut la paix, que ce soit une paix totale, s'il veut la guerre, c'est la guerre totale, ce qui est en train d'être vu, c'est que nous devons, on est obligés, nous, de défendre nos frontières, et ça ne peut pas se négocier. Par rapport à ce que mon frère dit, que oui, je suis d'accord avec lui, qui voudrait que le chef d'État puisse s'élever. Vous savez, il y a toujours... notre parti, vous l'avez rappelé, s'appelle Union pour la réussite du Congo. Mmh. On a dit, pour réussir au Congo, il faut abandonner des mauvaises pratiques anciennes pour adopter d'autres attitudes. Et peut-être que le président a adopté d'autres attitudes. C'est ça le problème. Lorsqu'on a été, on a des pratiques qui n'ont pas réussi et qu'à un certain moment, on dit essayons de changer. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas silencieux parce que vous l'avez rappelé ici, il y a le comité de sécurité qui a été réuni, mm-hmm. qui a pris des mesures. Pour près, il y avait des contrats qui sont suspendus avec le Rwanda, tout ça. La police aussi a été instruite pour tout à fait. Disperser toute manifestation anti-rwandais. Oui, et puis j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais le vendredi. Il était invité de France 24. Et pendant plus de 15 minutes, je l'ai suivi. Lui, il dit quoi? Comme souvent, il dit qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont rien à voir, ils ne peuvent pas fermer notre ambassade au Rwanda. Tout ce qu'il demande, c'est que le ministre, disons, que le régime de Kinshasa puisse prioriser le dialogue, puisse revenir aux accords de Nairobi. Parce que qu'est-ce qu'ils lui veulent en réalité? Ils lui veulent faire entendre, n'est-ce pas? C'est bousculer le M23 aux négociations. Mm-hmm. Mais ils savent que dans la position de faiblesse, M23 n'aura pas une part, comme ils l'ont toujours conçu. J'ai dit à mon frère, c'est vrai, nous, on ne refuse pas, on va vivre avec le Rwandais, le Burundais. Mais madame, vous avez un jour suivi, on vous dit, Moulouba belge. Parce qu'il y a un tétela qui habite la Belgique, on dit, non, c'était le tétela belge. Et pourquoi c'est moi au Congo? Où on nous impose une certaine ethnie, on nous dit, c'est tel Congolais. Ça existe où? Nous sommes en Belgique, depuis très longtemps. Vous n'apprendrez jamais, on vous dit, non, les Balouba belges, ou les Bakongo belges, les Congolais. Non, on vous dit, c'est les Congolais, mais qui aura acquis la nationalité belge. Mais chez vous, on vous dit quoi? Les Rwandais congolais, finalement, pour ne pas parler des tribus, parce que voilà, on risque de nous dire qu'on était xénophobe, tout ça. On vous dit, il y a une tribu qui est rwandaise, congolaise. Ça n'existe pas. Donc, s'ils veulent habiter comme ils habitent, d'ailleurs, à Goma, ils ont des hôtels partout, il n'y a pas de problème. Le problème avec eux, c'est que M. Kagame voudrait créer cette rébellion-là afin de leur donner la force dans les négociations. Et je crois que notre pouvoir ne pourra pas accéder parce que le peuple est très vigilant, contrairement au Rwanda, où monsieur est le seul coq qui chante. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, nous sommes à mesure de dire non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Nous devons absolument, n'importe quel prix, protéger notre pays. Et Kagame doit savoir lire les signes des temps. Il doit savoir lire les signes des temps. Si hier, il pouvait faire ce qu'il voulait, parce qu'il savait, comme mon ami l'a dit ici, que dans toute l'armée, dans toute la police, il avait des collabos. Mais aujourd'hui, là, qu'il soit ou pas, il n'a pas, ils n'ont pas le soutien du peuple. Mais nous sommes un peuple qui est parfois... On étonne, hein? Parfois, observateur. Mmh. Non, parfois observateur, mais lorsque nous nous levons, souvent c'est mal. Et l'histoire renseigne que nous avons réussi à nous en sortir dans des situations parfois plus graves que celles nous imposées par M. Kagame et son régime des sanguinaires. Donc, nous disons, madame, que le président de la République, l'attitude qu'il a prise, c'est une attitude de responsable parfois. Il faut parfois observer. Parce qu'on lui reproche, c'est ça malheureusement chez nous au Congo, lorsqu'on parle, on dit non, il parle trop. Mais quand il ne parle pas, on dit il ne parle pas, c'est pareil. Donc c'est comme ça le chef, et moi je comprends. Ça, oui. C'est dans nos coutumes, c'est dans nos mœurs, dans nos pratiques, que lorsqu'il y a un problème, que le papa puisse parler. Mais à un certain moment, le papa sait comment est-ce qu'il faut parler. La communication n'est pas seulement verbale. Même la réaction Le silence est une communication aussi. Tout à fait, parce qu'on dit la parole est d'argent, alors le silence est d'or.
Et la communication qu'il est en train de communiquer ici, c'est que, comme le commandant suprême, comme l'a dit mon co-débatteur, c'est qu'il y a la force qui est déployée sur le terrain. Et nous disons que bravo d'abord nos FARDC, même si j'ai appris ce matin qu'on aurait interdit aux gens de s'habiller. De ce côté-là aussi, il faut qu'on parle. Hein, parce que moi, j'ai des tenues à la maison que je comptais mettre, même pas à la télévision, mais sur la route. Hein, excusez-moi, quoi, ça n'a rien à voir avec les FARDC. Disons, c'est. On va dire, bon, même les zombies au Pentagone, tout le monde quand même. Quand vous allez aux États-Unis, vous voyez qu'en ce moment aussi c'est la mode, mais alors c'est quoi le problème? Bon, chez nous, c'est que nous n'avons pas de sécurité comme les États-Unis. Nous n'avons pas assez de moyens pour sécuriser tout le monde. Nous sommes dans une situation particulière, vous voyez. Et chez nous, souvent, il y a toujours habillé hein, dans tout ce que nous faisons. Vous verrez qu'il y a certains qui vont au-delà. Vous croisez quelqu'un, même si vous avez identifié appartiendra à un parti politique, quand vous voyez s'habiller, vous risquez de croire que la garde républicaine du chef de l'État, avec les mêmes boutines, avec tout ça, donc ça prête confusion. Et donc à un certain moment, nous exagérons, mais le soutien pour nos FARDC, je crois que c'est un devoir patriotique pour nous tous, un devoir sacré. Monsieur Benchanal, aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, vont se réunir les dirigeants des 7 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pensez-vous, comme la plupart de nos compatriotes, que c'est un sommet de trop d'où ne viendra aucune solution au crime dans notre pays? Oui, c'en est encore un de trop. Bien que dans la diplomatie, on dit qu'il faut parler, c'est parler encore. Épuiser toutes les voix. Oui, mais von Bismarck a dit aussi que la diplomatie sans les armes, c'est comme la musique sans instrument. Donc il faut aussi quelque part que ces gens sentent notre puissance de feu. Et il faut à un certain moment que c'est pas l'État publiquement qui le dira ou qui le fera. Mais à un certain moment, il faut faire comprendre à Kagame que c'est pas parce qu'on est encore en train d'aller de conciliabule en conciliabule qu'il peut se prendre la tête et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Mais je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit. Je vais c'est une question sous-jacente pour vous, M. Ben, et je vous la poserai aussi. Vous pensez, comme c'est M. Pancras qui me l'a mise en tête, vous pensez que, en lisant les signes de temps, c'est le déclin de Kagame, du tout-puissant Kagame, bien que vous l'appelez personnage réel et quoi que ce soit. Vous savez. Et qu'il va bientôt être lâché par ses vrais patrons. Quand ce militaire est entré dans la petite barrière, jusqu'à aller tirer sur les policiers rwandais, j'ai dit si Kagame était au moins intelligent, il allait comprendre que c'est cette génération qui va l'achever. Le gars-là a juste communiqué le ras-le-bol que nous tous on a. Même les FARDC qui sont au front. C'est parce que le commandement tel qu'il est donné, c'est à petit feu. Mais si on leur dit, bon, pour droit le Rwanda, rien ne restera là-bas pierre sur pierre. Je vous dis. Le ras-le-bol a atteint déjà la lie. Mais c'est seulement, on n'a pas encore donné le goût, vous voyez. Mais c'est cette génération qui finira Kagame. C'est cette génération qui va achever Kagame. Il est en train de gesticuler, ce sont les derniers gestes d'un mourant. Hein. C'est pour ça que je vous dis que nous devons en profiter maintenant, qu'on fasse vraiment un bon casting, pour que nous-mêmes nous puissions aller les déloger, avant que la nature ne le reprenne, que nous-mêmes nous puissions les déloger. Et y mettre quelqu'un, parce que la RDC a vocation comme ça. Je voulais revenir sur un truc. Oui. Cher Pancras, cette histoire-là de ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont là-bas, ils sont ici, nous devons être vraiment très prudents. Très prudents. Ça peut être la cause ou la fibre sur laquelle les puissances de la communauté occidentale qui veulent impérativement la partition de ce pays, c'est la fibre sur laquelle ils sont en train de bouger. C'est pour cela que nous interdisons qu'il y ait des manifestations entre Congolais et civils rwandais. Nous ne voulons pas. Parce que ça va prêter à confusion, ça va créer de la discrimination, de la stigmatisation, et ça peut se retourner contre notre pays, la stabilité même de notre pays.
Donc de ce côté-là, nous devons vraiment... Nous irons avec les scientifiques, comme vous avez beaucoup de scientifiques que vous connaissez. Avec les scientifiques, nous réfléchirons après comment essayer un peu de dompter cette tribu et ainsi de suite. Mais pour l'instant, ne touchons pas là-bas. Ne touchons pas là-bas. Avançons comme ceci. Mais ce qui est important, au-delà des sommets, tout ça là, à l'extérieur du pays, le chef de l'État doit mobiliser à l'interne. Vous ne remarquez pas que le peuple est en train de se mobiliser seul. Quand vous dites que non, bon, dans nos us et coutumes, nous ne parlons pas trop, vous savez, le chef a sa manière de parler. Non. Quand on dit qu'on aime que le chef parle. Vous voilà, ok. Là, j'avais mal compris. Quand vous dites que quand il parle, on dit qu'il parle trop. Quand il ne parle pas, on dit qu'il ne parle pas. Non, il faut bien savoir les moments propices pour parler. Il y a des moments que le chef ne veut pas parler. Mais dans ces temps-ci qui courent ici, le chef devait avoir une tenue particulière. Il devait avoir une communication particulière. Il doit parler. Okay. Il doit galvaniser la population. Il se met en tenue de... Je crois. En tenue militaire. Mm. En tenue de combat. Parce qu'on est vraiment en guerre. On est en guerre. Et par rapport à cela, le chef doit communiquer que nous sommes en guerre. Que nous sommes en guerre. Moi, je pense que nous avons quand même un chef qui nous... Enfin, on va dire, il est... on ne sait pas le cerner, quoi. Parce que le fait déjà de se mettre en tenue, vous ne pensez pas que c'est de montrer déjà à l'adversaire que là, je suis prêt pour t'affronter. Mais l'autre reste si... Non, mais justement, je peux rester en civil, mais entre-temps, j'attaque sans qu'il ne sache. Non. Il ne s'en rend pas compte. La communication, ce n'est pas seulement pour l'adversaire. Oui. La communication, c'est aussi pour sa propre population. Okay. Pour qu'on sente qu'il est vraiment déterminé. Nous sommes prêts pour le combat. Nous sommes déterminés. Vous savez, aujourd'hui, même en venant ici, il y a une bonne dame que je salue en passant, Maman Angèle Angelani, qui m'a dit que... Mais, papa Ben, parce qu'on est déjà prêt. Mais directement, non? Non, pour aller directement au front, pas pour aller faire les faux, pour aller directement au front. Donc, la population se galvanise elle-même. Mais il faut maintenant qu'il y ait le commandant suprême qui donne des injonctions pour que nous puissions avancer. Donc, moi je crois que nous sommes dans une phase très... C'est un sommet de trop pour vous, il faut passer à la super... Nous sommes dans une phase très décisive pour le pays, pour la nation et pour le vivre ensemble du Congolais. Nous devrions commencer d'abord par nous réunir à l'interne. Nous nous réunissons à l'interne et puis, ce n'est qu'à partir de notre motivation à l'interne, à partir de ce que nous ferons à l'interne, que même quand nous irons au sommet là-bas, qu'on nous prendra avec la mesure qui convient pour nous. Alors, cette construction de murs que tout le monde veut, surtout le député national Mouzito, qui veut absolument construire un mur qui va nous séparer définitivement de ce voisin embarrassant. Oui, mais qu'en pensez-vous ? Vous savez... La lecture des signes de temps pour Kagame, puisque vous avez... Oui, je parlais des signes de temps parce que, vous savez, ça fait très longtemps. J'ai dit ici que les génocides étaient leur marchandise politique. Oui. Ils s'attiraient de la pitié chez tout le monde. Mais à un certain moment, c'est pour la première fois, parce qu'on a toujours vanté que ce sont les États-Unis qui sont derrière Kagame. Vous avez suivi les États-Unis qui ont dit très clairement leur désapprobation contre le Kagame, l'Union européenne. Mais qui pas de l'hypocrisie. Non, pas d'hypocrisie. En diplomatie, madame, c'est une très grande communication. Ceux qui vous appuient souvent, ceux qui sont derrière vous pour justifier votre attitude belliqueuse, change d'attitude, c'est en diplomatie, c'est la communication. Il a dit ici que la communication, un diplomate ne dit pas les choses pour les dire, n'est-ce pas? Mon frère l'a dit, la communication, le chef de l'État, tout ça, mais le chef de l'État, c'est un grand diplomate, il sait à quel point ses propos, n'est-ce pas, peuvent attirer le feu. Parce qu'imaginez-vous, quand il parle de la tenue, il s'est habillé en tenue, vous avez vu le jour de son anniversaire de naissance, c'est en tenue militaire, vous voyez? Mais qu'est-ce que ça peut apporter? Aujourd'hui, nous sommes au bout d'un problème que Kagame ne sera pas maîtrisé. Le chef ne doit pas se comporter comme ça.
tant que nous avons déjà des esprits surchauffés. Vous imaginez que Félix dise aujourd'hui que prenez-vous en charge comme l'a fait Mosé. Vous savez ce discours-là avec Mosé. Vous avez dit que c'est lui qui a une hanche, que c'est lui qui a une machette, oui, que c'est lui qui a une lance, puisse défendre l'intégrité de notre territoire. Vous connaissez la suite. Oui. Donc je crois que... C'est mettre la poudre, le feu aux poudres. Tout à fait. Quand maman dont mon co-débatteur Ben vient de citer... Maman Angela, elle vous dit quoi? Qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'effort, elle voudrait directement aller à chose. Vous voyez, elle n'est pas seule. Ils sont nombreux comme ça. Certains étudiants vous disent qu'est-ce que moi je ne peux pas vraiment aller finir avec ces kagamés-là. Vous savez, donc pour dire que le chef doit avoir une attitude de calme, pour montrer à Kagame, il a même dit que je crois qu'il a tiré la leçon. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je crois que Kagame a tiré la leçon. Mais s'il ne veut pas tirer la leçon, c'est son problème. Vous avez vu, il a dit un policier qui traverse la ligne juste pour aller tirer. Et s'ils étaient 12-15, s'ils sont 20-50, voyez-vous? Et si nos policiers faisaient la complaisance lorsque la population voulait traverser la barrière? Peut-être que la police rwandaise devrait réagir. Et en réagissant, vous voyez ce que ça pouvait faire? Un carnage. Voilà. Et il faut éviter qu'on y arrive. Et Kagame devrait comprendre que cette population de Goma a toujours été peut-être observatrice. Cette fois-ci, elle n'a pas fui. Elle est arrivée au Rwanda. Donc, j'ai parlé des signes d'État ici. Je vous ai parlé, je parle aussi de l'Union européenne qui a suspendu aussi ses dotations au Rwanda. Vous voyez? Même le Royaume-Uni, où quand même son partenaire le plus privilégié, a quand même été réticent, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Et vous avez d'ailleurs vu que la justice a dit retarder le déploiement de réfugiés qui devraient venir au Rwanda. Donc, c'est ça des signes d'État qui montrent à suffisance que M. Kagame n'est plus celui qu'il était hier, celui qui pouvait tout faire selon ce qu'il veut. Et donc, la construction du mur. Ouais, construction du mur. Moi, je suis un panafricain, comme beaucoup de gens me disent. Moi, je ne suis pas d'accord pour la construction des murs. Parce que au lieu de construire des murs, nous voulons plutôt jeter des ponts entre nous. Donc, le peuple est censé vivre ensemble. Ce n'est pas en réalité le mur qui va empêcher, par exemple, le Rwanda d'attaquer le Congo. Pas du tout. On peut escalader un mur, n'est-ce pas? Le problème, c'est que... Un mur comme celui de Berlin, on ne l'escaladait pas, hein? Mais il était tombé, madame. Oui, mais justement, c'est il était tombé. Position. Vous savez, le mur était tombé, le mur de Berlin était tombé par les gens, pas avec des chars. Avec déjà les images jusqu'aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin de construire le mur entre nous et nos voisins. Nous voulons jeter des ponts. Mais c'est dire à M. Kagame qu'il doit comprendre qu'il a déstabilisé le pays pendant tout le temps. Il a déstabilisé l'Afrique pendant tout le temps. S'il se reconnaît africain, il devrait changer. Moi, je connais un père qui nous disait, il dit, vous devez conjuguer le verbe échanger à tout le temps, tout le monde, et puis à la forme affirmative. Ne dites pas, je n'ai pas changé. Dites, je change, je changerai. Mais c'est Kagame doit changer. Alors, vous gardez le micro pour vous adresser à vos compatriotes congolais. Votre caméra est là pour vous adresser à vos compatriotes congolais qui veulent manifester leur ras-le-bol en faisant la chasse aux Rwandais. Non, chers compatriotes, le problème est sérieux. Nous sommes... toucher à notre amour propre, parce qu'il s'agit de notre nation, il n'y a pas mieux que notre république. Ben aujourd'hui, faire la chasse aux Rwandais, à mon avis, ce n'est pas trouver solution à l'épineux problème qui nous oppose au régime de Kigali. Nous sommes un peuple pacifique, d'une hospitalité légendaire. Tout ce que nous pouvons faire, nous avons droit. C'est vrai que nous en avons marre avec l'attitude belliqueuse de Rwandais, mais faisons des choses comme des responsables. Ce n'est pas normal qu'on trouve quelqu'un avec une machette. Et non, c'est pas comme ça. Il y a une manière de... Nous sommes civilisés, contrairement au Rwanda. Chez nous, des marches sont très significatives. Donc, marcher, protester, mais dans la limite de règles. Parce que ne donnez pas, n'est-ce pas, des béquilles au criminel Kagame qui se victimise tous les jours. Il vous dira, non, voilà, après les Tutsis, ce sont les Congolais, les Bantous congolais qui veulent railler le Rwanda de la carte. Ce n'est pas notre objectif. Le Rwanda doit vivre chez lui. Et d'ailleurs, c'est étonnant que lui qui s'est dit avoir des petites terres veuille qu'il y ait des réfugiés qui viennent chez nous. Nous devons protéger notre nation, ça c'est sûr, mais dans la limite des règles. Pas important de prendre les machettes, pas important d'aller piller les magasins, parce que l'objectif, c'est pas piller les magasins. Tout ce que nous devons faire, c'est que dénoncer les ennemis qui sont avec nous, parce qu'ils sont partout. Ils sont partout avec nous. Ce qui déstabilise notre pays, que ce soit les politiques, que ce soit les scientifiques, que ce soit nous, les hommes ordinaires, dénonçons lorsqu'il y a des infiltrés parmi nous. Mais la machette, ce n'est pas la solution. Béchana Kimouni, à vous la parole. Votre caméra est là.
ici le général du bataillon Sankoubang national. En fait, moi j'ai dit une seule chose. Soyons prêts. Soyons prêts. C'est cette génération qui va achever Kagame. Soyons prêts. Préparons-nous. Mais pas pour attaquer les Rwandais, le civil rwandais, qui lui aussi subit les affres de Kagame, comme il nous le fait subir aussi. Mais préparons-nous, soyons prêts pour en finir avec Kagame lui-même. Et d'ici là, vous aurez des instructions et des orientations. Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission qui ouvrait le bal de thermomètre de la RDC de la semaine. Vous aurez demain Merveille Bailengue à la présentation. Moi, c'est le lundi et le vendredi, comme vous le savez. Mais je reste devant vos écrans sur YouTube, hein, sur cette chaîne APIC TV, net.net, voilà. À tout moment, quand vous voudrez regarder, revoir cette émission. Et aussi à 21h30 en rediffusion. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à être devant vous. Je vous salue et je vous dis au revoir.